coutume, c'est Benji, des tutos Bene, et on se retrouve pour une petite présentation du Livebox Texting qu'on retrouve maintenant en boutique. Donc en plus, ce qui tombe bien, c'est que moi je vais être comme un client, puisque pour l'instant, j'ai jamais testé cette machine. Donc comme ça, on va pouvoir voir ensemble ce que ça donne pour un client qui pourrait venir en boutique et tester sa box. Allez, donc on commence tout de suite. Donc on a un petit texte qui nous informe que Orange nous propose de vérifier le bon fonctionnement de notre Livebox. Ce test va prendre à peu près 10 minutes. Donc on va cliquer sur le bouton suivant. Donc il faut déjà saisir notre numéro de téléphone. Voilà, une fois que nous avons saisi notre numéro de téléphone, il nous demande quel type de Livebox nous avons. Donc on peut retrouver aujourd'hui les trois types de box que nous avons sur le marché, sur les particuliers. Donc la Livebox 2, la Livebox Play et la Livebox 4. Donc là aujourd'hui, j'ai pris une Livebox 4 pour faire les tests. Donc on va cliquer sur Livebox 4. Il faut que le bouton soit sur off et donc du coup voir apparaître le petit liseré orange. Suivant. Et donc là, on nous demande de connecter les quatre prises jaunes. Voilà, donc là, les quatre prises jaunes sont branchées. Donc on va passer au suivant. On nous demande ensuite de connecter le câble rouge sur la prise fibre. On continue. Et enfin, de brancher le câble Ethernet vert sur la prise verte qui correspond au téléphone. Enfin, on nous demande de commander, de brancher le câble ADSL sur la prise orange. Donc comme vous pouvez le voir sur les images, c'est plutôt bien présenté. Sincèrement, même une personne qui n'y connaît rien devrait comprendre facilement. Ensuite, on nous propose soit d'utiliser notre blanc d'alimentation si on l'a ramené en boutique grâce à la prise qui est ici, ou alors d'utiliser le câble d'alimentation qui ressort directement de la borne. Une fois qu'on a fini, donc il nous demande de bien enfoncer ce bouton, donc c'est-à-dire de démarrer la Livebox. Et là, c'est parti, le test est lancé. Pendant ce temps-là, on a une petite pub qui nous permet d'expliquer que grâce à une Airbox, on peut prendre le relais à la maison si on a un problème, une coupure quelconque. Donc on le laisse effectuer ses tests. Voilà, donc comme vous le voyez, on voit le suivi en direct, la connexion de la Livebox en tant que telle vers Internet. Le Wi-Fi fonctionne-t-il? Le téléphone fonctionne-t-il? Et là, il est encore en train de tester les services TV, donc on patiente. Ah! Alors là, on a un petit ticket qui sort. Alors, sur l'écran, on nous affiche que la Livebox est fonctionnelle. On nous demande de récupérer notre ticket. Donc, qui va préciser le bon fonctionnement de la box, le numéro de la ligne. Et on a un petit QR code pour nous expliquer comment installer et piloter, réparer les services. Donc, en fait, ça sera pour télécharger l'application My Livebox et permettre au client d'effectuer ces mêmes types de tests chez lui sans avoir à sortir de son canapé. Donc, on nous demande juste d'éteindre la Livebox, de tout déconnecter et de nous rapprocher d'un conseiller si on a eu un test défectueux. Un petit questionnaire, savoir comment ça s'est passé notre entretien avec cette machine. Donc vous voyez, il n'y a pas que les humains qui sont sondés chez Orange, même les machines aussi. Et voilà, ce test est donc terminé. Je vous remercie de m'avoir suivi. N'hésitez pas à dire dans les commentaires s'il y avait d'autres choses que vous souhaitez voir tester sur le groupe des agrumes. N'hésitez pas à partager, à en parler à vos collègues, à vous rapprocher de nous si vous voulez récupérer le fichier vidéo pour le présenter à vos autres collègues. Voilà, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.